Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Barry Boulou Jésus, ton coach en physique chimie. Alors aujourd'hui, dans cette leçon, nous étudierons les aldéhydes et les cétones. Ça va? Alors sans plus tarder, les adjectifs. Il faut savoir que cette leçon t'amènera à connaître la nomenclature des aldéhydes et des cétones et les réactifs qui permettent de les caractériser. Ça va? Alors, pour cela, nous avons trois grandes parties concernant cette leçon. La première partie, c'est l'identification des aldéhydes et des cétones. Ensuite, nous verrons, ça va, la caractérisation des quoi? Des aldéhydes et des cétones. Et pour terminer, un tableau récapitulatif pour mieux expliquer ce que nous allons voir dans les deux premières parties. C'est bon? Alors, tu me suis attentivement parce que nous allons commencer à décortiquer notre sujet. Alors, retiens que les aldéhydes et les cétones ont en commun le groupe carbonyle C double liaison O. On les appelle les composés carbonylés. En ce qui concerne les aldéhydes, il faut savoir que les aldéhydes ont pour formule générale R-C double liaison O-H. Comme exemple, nous avons le propanal qui a pour formule CH3-CH2-C double liaison O-H. Nous avons également le 3-méthylbutanal qui a pour formule CH3-CH, en bas une liaison CH3, on remonte encore notre liaison CH2-C, double liaison O-H. Ça va? Voilà, donc voici en quelque sorte un petit exemple sur les aldéhydes. Alors, en ce qui concerne les cétones, nous avons comme formule général des cétones, on a R1-C double liaison O-R2. Alors, il faut savoir que R1 et R2 sont des groupes alkyles. Donc, comme exemple, nous avons le butane 2-ol. Ça va? Donc, la formule est CH3-C double liaison O-CH2-CH3. Ça va? Nous avons également comme exemple le 3-méthylbutane-2-ol. Donc nous avons CH3-C double liaison O-CH, une liaison en bas CH3 et une liaison à droite CH3. Et 3-méthylbutane-2-ol. Comme dernier exemple, nous avons le 2-méthylpentane-3-ol. C'est bon? Comme formule, nous avons CH3-CH. En haut, une liaison CH3. À droite, nous avons C, double liaison O-CH2-CH3. Ça va? Alors, voilà en quelque sorte les aldéhydes et les cétones. Bien qu'ils soient différents, ça va? Ils possèdent tous les deux un seul groupe. Le groupe C double liaison O. Le groupe